Et bonjour tout le monde, c'est Dr Chips et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de figurines. Donc pour ouvrir cette fois deux figurines de la marque Good Smile Company pour la série Kimono Friends. Donc on a déjà la première figurine qui est la figurine d'un des personnages de la série, je ne vais pas dire forcément un personnage principal mais un personnage qu'on voit régulièrement qui est Fennec. Et ensuite une autre figurine cette fois sur un personnage qui s'appelle Common Raccoon ou plutôt plus communément appelé Araisan aussi dans la série. Donc c'est deux figurines qui me faisaient un petit peu de l'œil. J'avais déjà acheté une figurine de cette série aussi. Je crois que c'était aussi une Good Smile Company il y a quelques mois. Que j'ai reçu, voilà, cette fois de Serval, un personnage principal de la série. Si ce n'est pas le personnage, des deux personnages principaux de la série. Et qui m'avait plutôt plu. Et je sais que ceux-là étaient aussi sortis, sachant que c'est des personnages que j'aime bien. J'avais un petit peu attendu avant de les prendre, parce que déjà il en restait pas mal en stock. Et niveau budget, elle coûtait aussi un certain prix, vu qu'ils sont sortis en 2018. Donc j'avais déjà réussi à récupérer celle de Raccoon il y a quelques mois. Et là dernièrement j'ai vu qu'il restait plus qu'une Fennec en stock. Donc je me suis allé quand même la prendre avant de regretter et pas l'avoir. Donc c'est parti, j'ai déjà un petit peu ouvert les boîtes. On va commencer par la première, par Fennec. Pour voir déjà un petit peu ce que ça donne. Donc la série, bon, je peux même déjà vous montrer un peu la boîte, à quoi elle ressemble. Ce sera mieux pour un peu les différentes poses du perso. Pour ceux qui connaissent pas Good Smile Company, c'est des petites figurines un petit peu particulières. Alors on voit par exemple avec, on voit qu'ils ont différentes poses. Ce sont des figurines en plus assez petites. Je crois que d'après ce que j'avais vu, faisait du 38 sur 38 sur 80 mm. Donc ça va, c'est quand même encore à peu près assez grand. Enfin assez grand. Enfin, ça dépend en fonction de ce qu'on prend. Voilà, illustration assez sympa quand même. Le personnage que j'aime bien. Donc pour parler un petit peu de la série, Kimono Friends, c'est une série où en gros on va suivre une série dispo sur Crunchyroll, deux saisons, même si bon, personnellement, je crois que j'en ai déjà parlé sur le blog, mais personnellement je préfère quand même dire la première saison par rapport à la deuxième. La deuxième a quelques défauts, défauts de production au niveau de la série, donc je ne vais pas revenir ici, mais ils sont quand même assez gênants. Et ouais, dans la série on suit en gros un humain, on arrive dans le Japari Park, qui est une sorte de parc, de parc ou de zoo, etc., où il y a des animaux qui au fil des années ont pris une apparence humanoïde. Donc on voit au niveau de la série que je vous présente par exemple ici, je vous en présente quelques-uns. Et dans tout ça, on va suivre un humain qui a perdu la mémoire, qui se retrouve ici par hasard, qui a perdu la mémoire et qui essaie de retrouver, avec l'aide des autres animaux, on va essayer de trouver déjà de résoudre un peu les soucis du parc et essayer de trouver s'il n'y a pas d'autres humains ou d'autres personnes qui le ressentent. Donc c'est vrai que je vous conseille quand même assez bien. On apprend pas mal de trucs, c'est encore une sorte de mini-documentaire animalier sur des animaux qu'on connaît peut-être pas forcément. Bon, Fennec, peut-être certains ont déjà entendu, oublié tout ça par rapport aux animés. Pareil pour le raton laveur. Par contre, le saval, ça c'est vraiment un animal qui existe. Une sorte de... c'est pas vraiment un tigre, une sorte de chat-tigre que les gens connaissent pas forcément, ou même d'autres animaux un peu plus exotiques. Donc c'est une série que je vous conseille vraiment. Que j'affectionne assez bien, qui fait pas partie de mes préférés, mais une série... j'ai pris plaisir à découvrir et qui est sorti il y a quelques années quand même déjà, je crois. La première saison date de 2017 et la deuxième un peu plus récente, elle date de 2019. Toutes les deux par contre comme dit disponibles sur Crunchyroll. Ouais mais c'est malin, Crunchyroll est en train de se faire acheter par Wakani, mais ils vont fusionner leur catalogue, donc il faudra voir si la série sera reportée ou pas. Si on la prend ou pas. Pas mal de plastique ici. J'essaie de regarder un peu la caméra et de vous faire du retour. Bon, j'ai changé un peu le setup donc. C'est pour ça que vous avez un autre fond. J'aime bien qu'il y ait un petit focus. Ouais. C'est pas mal de plastique. Hein. Comment est-ce que je peux enlever ça sans tout casser? Je pense qu'on peut enlever la tête par là. Voilà, je vais quand même éviter de casser toute la figurine. Petit morceau de plastique ici. C'est de la tête, je pense que la tête pareil on peut l'enlever, ouais. Je peux tout enlever ou pas? Ça a l'air d'être tourné, mais il me semble pas qu'on peut enlever entièrement la tête. Ah si, j'ai rien dit. J'ai plus l'appareil, le bas, je crois qu'on peut l'enlever au niveau des pieds. Pour changer un petit peu la forme des pieds si on veut. Les bras, pareil. On va peut-être déjà mettre la pose basique et je prendrai peut-être après des photos, soit pour le blog, soit pour la vidéo où je mettrai d'autres photos avec d'autres poses. Il faut carrément la démembrer. Hein. Okay, poser tout à côté, ça sera peut-être un peu plus simple. Là, ça s'est enlevé. Il reste encore un bout pour la queue. Je vais arriver peut-être la deuxième alors en ellipse. Le temps de tout enlever ou peut-être remonter, on verra. Ok, c'est fait. Ça peut peut-être aller assez rapidement. Si
déjà à remettre ça. Je sais pas encore exactement comment je ferai ça, mais je vais peut-être avoir une petite coupure. J'ai ramené des ciseaux, mais apparemment j'en ai pas besoin, donc tant mieux. Je crois que je me suis gouré dans le sens du pied. Est-ce qu'il y a vraiment un sens, ça, quoique, peut-être pas forcément. Quoi, je vois qu'il y a du jaune dedans. Peut-être pas forcément pour avoir avec la luminosité, mais il y a une petite partie, une partie jaune. Je me dis que je suis peut-être dans le bon sens. Voilà. Je vais remettre la tête, tranquillement. Je vais faire ça un peu de mon côté. Ce sera plus simple. Galérer avec les bras tendus. En tout cas, elles tiennent bien, clairement. La figurine tient bien. Où est-ce que j'ai mis la tête? J'ai mis là. On va regarder après aussi encore les autres accessoires qu'il y a, qui sont dispo. Je présente déjà différentes têtes, différentes expressions, ouais. Voilà, toutes les oreilles à remettre. Ok, c'est fait. Je vais essayer de montrer un peu mieux le personnage. Aussi, je crois qu'il y a un pied que j'ai pas bien mis, ouais. Je me demande si je me suis pas gouré de sens. Parce que l'autre est bien rentré par contre, mais lui, j'arrive pas bien à le remettre. Ok, c'est bon. C'est juste moi qui forçais pas assez. Un petit truc derrière aussi pour l'accrocher. J'ai pas de pied. Ah si, j'avais pas vu, il était sur le côté. Merde, je casse tout. J'avais pas vu que le pied était là. Sachez aussi. J'étais scotché, ok, c'est mieux. Peut-être l'autre en ellipse, hein. Je pense que ce serait peut-être plus simple pour la deuxième. Pour tout sortir et de la monter aussi. Bah quoique je vais peut-être quand même l'ouvrir avec vous, je pense que c'est plus agréable. Ceux qui n'ont pas vu, du coup, ça se présente après comme ça. C'est une plaque, on posera ensuite le personnage. Et on peut l'attacher après avec des petites attaches. Là, ça, je sais pas trop à quoi ça sert, ça d'ailleurs. Ben, je crois qu'il y a un guide normand dedans aussi. Vous avez peut-être vu, mais il y a un trou derrière le personnage. On va pas attacher ça ensuite. Alors que je ne coupe pas de sens par contre. Je peux pas tourner ça, si voilà, je peux le tourner. Ici. Voilà. Ensuite, avec ça, vous pouvez le poser sur un endroit. Sur faire limiter le personnage comme je viens de le faire. C'était pas le meilleur des trucs non plus. Ou essayer de le tourner un peu, mais je crois que je me suis gouré de sens là-dessus. Non, c'est juste moi qui me démerde comme un pied. Voilà, bon, on va éviter de trop les faire bouger. Je vais lever le bras sans faire exprès, c'est cool. Le bras tient en plus encore, c'est bien. Mais voilà, ça vous permet ensuite de poser les personnages comme ça. Et les faire tenir. On va essayer de mettre ça va à côté déjà. On va voir un peu ce que ça donne. C'est pas la meilleure des poses. On va voir si je peux pas le mettre à un autre endroit. C'est de la mettre au centre, voilà. On va prendre la caméra un petit peu. Voilà déjà ce que ça donne avec les deux persos. Perso côte à côte. Bah, je vais reprendre les pièces, c'est de les ranger déjà. Je vais même faire ça en ellipse, je pense. Donc on se prendra juste après. Ok, donc cette fois j'ai remis un peu toutes les pièces ensemble, vite fait faire un peu le tour. Donc on a différents visages encore. Visage, on va le faire un petit peu la gueule et un autre, on est un peu surpris. Je vais peut-être mettre celui où elle est surprise, c'est vrai. On a d'autres formes de bras si jamais on veut changer, voilà. On a aussi un petit des pieds ici, là j'avais vu une sorte de buste et des pieds si jamais on veut la mettre à genoux. Je vais pas tout mettre, là pareil encore des bras. Là encore il y avait des bras, des pieds, tout ça. Bon, je vais pas tout faire parce que je vous avoue que c'est assez galère après de remettre en place. Mais voilà, là c'est l'autre pose, on peut l'avoir un peu à genoux. Donc, je vais dégager un peu tous les papiers ici. Voilà, on va pousser les personnages un peu sur le côté. Ok, voilà la caméra, merci. Et on va ouvrir la deuxième boîte. Ça verra cool. Je pense que c'est peut-être mon personnage, l'un de mes personnages favoris de la série. Au début c'était Saval, plus encore un autre perso qui a une figurine malheureusement est déjà plus trouvable, donc je la cherche aussi encore.
Et là, je crois que je ne vous ai pas montré encore le tour de la boîte. On va faire le tour avant. Donc, raccoon ici. Un petit peu foufou ce perso. Une petite mimique aussi de dire un anoda à la fin de chaque phrase. Un petit peu de perdeur avec un autre figurine. On voit par exemple notre, un petit accessoire qui a un petit chapeau pour un autre personnage qui est justement l'humain qu'on voit dans la série. Je crois qu'il y a aussi une petite figurine comme ça d'Android qui existe de ce perso. Focus, voilà. Donc là pareil, figurine de perso. Accessoires, différents bras et tout ça, différents visages, un petit peu apuré comme ça, et un autre bien dangereux. On a le support aussi, ouais, le support est en bas. Donc là, pareil, je vais faire une petite ellipse, le temps de monter la figurine, donc là tout de suite. Ok, donc je vous reprends déjà un petit peu ici pour vous montrer la figurine avec les papiers et tout ça enlevé. Donc, quelque chose que vous n'avez pas montré, mais ce qui est bien, c'est que même les pièces, on peut par exemple pour certains l'intervertir. Là, vous voyez que j'ai interverti les oreilles pour les mettre dans un autre sens. Et pareil après les bras, vu que c'est des bras particuliers, vous pouvez vraiment les tourner, vous pouvez tourner le bras, le poignet, etc. Tout ce que vous voulez. Ou dans les poses que vous voulez. Voilà, pareil pour les pieds, si vous voulez que les pieds soient complètement tournés ou n'importe, ou qu'elle lève un pied en arrière. Donc, comme ça, ça peut passer aussi. C'est l'avantage avec ces Lennon Rowe, je trouve. On fait des belles figurines déjà qu'on peut mettre dans la pose qu'on veut. Par contre, faut faire gaffe, ça rentre bien, ouais. Et pareil, maintenant je vais vous faire encore une petite coupure le temps de la mettre dans le socle. Ok, donc voilà, j'ai réussi à la mettre dans le socle. Bon, c'était un peu galère, j'ai l'impression que ça rentrait pas parfaitement. Petit focus, ouais. Un petit diapo maintenant avec les freins à côté. Et ça, en vrai, ça va parce que je pensais que celle de Saval était peut-être un peu. Serait peut-être un peu plus grande. Bon, la tête a l'air d'être un peu plus grande, mais sinon la figurine a l'air d'aller bien. On va montrer un petit peu tous en même temps. Petit diapo. Pas forcément toutes à la même place, mais je trouve que ça rend bien. Ce qui est bien, c'est qu'on peut même faire des scènes, je peux par exemple tourner comme ça, mettre avec un des persos à côté, faire genre elle discute toutes les trois. Je vais montrer un peu d'en haut, ouais, voir ce que ça donne. Voilà. Je verrai, je mettrai peut-être des petites images. En tout cas, je suis quand même plutôt satisfaite. Franchement, ça fait satisfait. Ça fait des belles figurines, je trouve. Qui prennent pas trop de place, en plus, pour une série que j'aime bien. Donc, n'hésitez pas à me dire peut-être ce que vous en avez pensé. Si vous connaissez peut-être la série, ou je vous invite en tout cas à la découvrir, si vous avez un peu de temps. C'est 2 saisons de 12 épisodes, donc ça se regarde assez rapidement. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.